la mémoire. Y a quelqu'un? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Quoi? C'est quoi le problème? Où êtes-vous? Vous êtes où? Je suis devant une porte. Si vous voulez. Ah ouais, je suis sur la tour de Guillaume, tout de vous. Ah, bonjour. Ça va? Ça fait du bien de voir quelqu'un non affecté. Du coup, je voulais savoir, il y a d'autres survivants avec vous? Bien sûr. Vous êtes nombreux? Bah, faut dire qu'on est l'armée russe, donc oui, forcément. Je vous avouerai que je me connais pas trop par ici, je ne sais même pas où je suis, je ne sais même pas qui je suis, et je voulais savoir si quelqu'un me connaîtrait. Monsieur, vous voulez rentrer? Oui, c'est comme vous voulez. J'aimerais pas vous déranger. Non, on est là pour ça. C'est gentil. Ah, et après, ça nous tape sur la fréquence radio. Quelque chose à tuer un peu, s'il vous plaît. Venez, rentrez. Merci, monsieur. Gardez les mains en évidence pour l'instant, s'il vous plaît. Pas de soucis. Vous voulez que je lève les bras? Ouais, gardez-les en évidence.
C'est-à-dire. J'y arrivais? C'est bon. Ok, super. Est-ce que vous pourriez juste me jeter vos vêtements par terre, histoire que je fasse un contrôle? Pareil pour votre arme, s'il vous plaît. Pas de soucis. Elle est chargée, mais si vous voulez, je peux la décharger. Non, laissez-la au sol, on va la mettre dans une tente, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est une arme américaine. Ouais, de toute façon, on s'en fout. Vous avez pas peur. Est-ce que je peux juste vérifier que... Ok. Ok, ça marche. Pantalon. Bah, dites-moi, vous avez un beau fusil pour quelqu'un qui vient de se réveiller? Ah, j'ai cherché les recoins et puis je viens de sortir d'une prison horrible. Une prison? Oui, sur une île. Ok, venez avec moi. Ouais, je connais cette prison. Alors, attendez. Monsieur, je vais vous mettre ça là-dedans. Voilà, première tente, ok? Venez avec moi. Là, il se met trop chaud. Bon, dites-moi tout, monsieur, votre problème, tout ça, tout ça. Venez ici. Bah écoutez, je ne sais pas où je suis, je sais pas qui je suis et j'aimerais des réponses et savoir si quelqu'un me connaît. Quelqu'un vous connaît? Écoutez, moi je ne vous connais pas plus que ça. Bah ça actuellement, c'est ce que vous me dites quoi. Bah du coup je vous connais pas du tout, vu que vous-même vous ne savez pas qui vous êtes. Quand vous dites que vous savez pas où vous êtes, c'est que... Mais vous savez où vous êtes. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer ou quand même vous le reformuler, parce qu'en fait je comprends pas. Vous savez pas où vous êtes, mais vous voyez des morts depuis combien de temps, là? C'est-à-dire... Devant la porte, vous m'avez dit, il y a des infectés. Et comment vous les avez appelés, ça veut dire que vous savez ce que c'est. Dans la prison, il y avait... plein de gens comme ça. Quand je me suis réveillé et les gardes avaient des notes sur un virus et que les gens qui étaient infectés, ils appelaient ça des rôdeurs. Rôdeurs, Z, zombies, morts, infectés, connards, fils de pute, enfin bref, ils ont tout un tas de noms. C'est ce que j'ai tout ça, c'est pas le problème. Le problème est de savoir, est-ce que vous avez des questions ou autres? Parce que moi, vous savez, je peux y répondre, y'a pas de problème. Ouais, je suis un peu, comment dire, je ne comprends pas parce que quand j'ai lu la note, je pensais que c'était comme une blague, mais quand je suis sorti et que j'ai vu ces choses, je ne comprenais pas. C'est bon, je vais vous poser 3 questions et après je me présenterai. Déjà... C'est pas compliqué de vous poser des questions étant donné que vous ne savez pas qui vous êtes, mais bordel de merde, qu'est-ce que vous foutez en prison? Je ne sais rien, je me suis réveillé dans une cellule et la porte était ouverte. Les gardiens de prison étaient au sol dans leur propre mare de sang. Vous savez ce qui est dangereux, monsieur, avec votre situation actuelle? C'est que n'importe qui pourrait vous modeler comme il l'a envie. C'est-à-dire? Bah je pourrais vous regarder et vous dire putain mais je te connais, c'est toi. Bah, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Fais attention. Où tu traînes? Et avec qui? Tu vois ce que je veux dire? T'as la chance d'être tombé exactement devant la bonne porte. Putain. bah c'est sûr. Je suis bien content. Bon bah je vais me présenter maintenant. Alors, bah écoute, moi je suis le sergent Belikov. Tu peux m'appeler Glaz, c'est mon nom de code, donc je suis sniper. Et on est la Redline, entre autres, on est, comment dire, une unité de Spetsnaz qui s'est écrasée juste au-dessus de Vibor. L'avion est encore sur le toit, je sais pas si tu l'as vu. Alors, on s'est fait abattre par le temps, et si tu préfères, entre autres, en dehors de la République de Tchernarus, tout va bien. La Russie, tout va bien, les États-Unis, tout va bien, l'Europe, tout va bien dans le meilleur des mondes. Y a que dans cette putain de région où tu essayes de rentrer, tu es mort, tu essayes de sortir, tu es mort aussi. Nous on a essayé de rentrer, enfin on a essayé,
De juste faire un vol de reconnaissance et ces fils de pute nous ont tiré un coup de RPG dans l'aile. Voilà tout. Maintenant, tout ce qu'on essaye de faire, c'est potentiellement aider les gens sur place. C'est tout ce qu'on peut faire avant de crever. Je vais pas vous faire peur, monsieur. Donc on Mais est... rien que le fait que vous soyez ici, vous êtes un homme mort. On est tous morts. Je sais très bien. Dites-vous que c'est comme les enfers. Ouais, c'est les enfers. Ouais. Mais Les rien qu'en gens se tirent sortant dessus, de... les gens se bouffent entre eux. Mais j'ai vu ça, Pardon, monsieur? j'ai vu les horreurs. Je suis sorti de ma cellule, j'ai vu tout ce qui s'était passé et... Je ne comprends pas en fait. Eh oui, c'est pas très joli à voir, hein. Mais surtout que j'ai je C'est me vrai que c'est pose la pas très question, joli à c'est voir. qu'est-ce que je foutais là-bas quoi. C'est vrai, c'est peut-être un tueur, un violeur ou autre. J'en sais rien. Vous avez vraiment aucun souvenir? J'ai comme des voix qui me parlent, comme des vieux souvenirs, mais c'est flou. Je n'arrive pas vraiment à savoir. Vous savez comment mon père faisait dans les goulags pour faire parler et retrouver la mémoire aux gens? Comment? Des beaucoup de matraques dans la gueule et bien répétitifs. Vous allez retrouver la mémoire, vous inquiétez pas. Je vous avouerai que je préférerais une autre méthode. Oui, mais je vous assure que ça fonctionne. Si vous voulez, je peux vous mettre un coup de balle en caoutchouc dans la bouche, peut-être que ça va vous réveiller. Après, quand je me suis réveillé, j'ai vu que sur le haut de mon crâne, j'avais une blessure. Ouais, je vois ça. D'ailleurs, c'est vrai que de mettre ça sur sa tête, c'est vachement original, putain. Mais ouais, j'ai vu ça, vous êtes blessé. Ah ouais. Vous avez une idée de ce qui a pu potentiellement vous arriver? En prison, des ennemis ou autre? Aucune idée? Je me souviens de Mais vous rien. savez quoi? On va faire un truc. C'est quoi le plus lointain souvenir que vous avez? Plus lointain souvenir que j'ai. Oui. Je vois une personne qui me ressemble beaucoup. Je dirais que c'est mon père. Mais je suis pas sûr de ça. D'accord. Je vous le dis, tout est encore flou. Et vous? J'ai l'impression de me souvenir de certaines choses, mais en fait, je n'y arrive pas. Le truc, c'est que vous êtes une personne vulnérable et je sais pas quoi faire pour vous à l'heure actuelle. Soit je vous relâche dans la nature avec un risque élevé à, allez, on va dire 70% de chances de mourir, parce que c'est pas avec votre petite toundra que vous allez survivre. Et dans le cas contraire, bah, le problème, c'est qu'ici, vous pouvez vivre avec nous, mais vous allez être enfermé le temps de retrouver la mémoire, quoi. Après, vu que j'étais en prison, je pense que j'ai l'habitude d'être enfermé. On va dire que nos prisons sont un Mais peu plus sympas par ici. le truc, c'est qu'il y a certaines choses que je me souvienne qui m'ont aidé à survivre parce que ça fait 3 jours que je suis sorti de cette île. Et j'ai réussi à survivre en me souvenant de certaines choses, mais pour me sauver la vie en fait. Déjà avoir des souvenirs de comment survivre est déjà exceptionnel. Je vais pas vous mentir que moi, si vous m'enlevez mon paquetage que c'est sur moi et mes collègues, je tiens pas un jour dehors. Je suis soldat, bordel. Pas un putain de mec qui fait de la télé-réalité en mode survivor. Je bois pas ma pisse et je mange pas des putains d'asticots. Je vous rassure, je fais pas Donc pareil. vous étiez quoi juste avant? Je sais pas. Écoutez, rien que le fait que vous arrivez à survivre est déjà une un très gros indice sur votre passé. Forcément. Soit vous étiez chasseur, braconnier, instructeur de tir peut-être dans l'armée, j'en sais rien, quelque chose. Peut-être. Je me souviens pas d'avoir été Peut-être. dans l'armée. Bah, sans ça se verrait, vous avez des plaques sur vous. Non. Vous avez bien dû retrouver vos papiers dans les bureaux de la prison, non? Justement, j'ai cherché des réponses et à part la note qui parlait d'expérience et de, je sais pas, de bombes chimiques, de
plein de choses et surtout justement c'est ce virus, j'ai rien trouvé d'autre sur moi. Ni même sur les autres Vous voulez que je vous prisonniers. balance une news, mon cher monsieur? Je vais vous expliquer exactement comment tout ça est arrivé. En gros, si vous préférez, moi, écoutez, je suis russe, hein, clairement, comme toutes les personnes de la Red Line. Et notre pays a été, comment dire, plongé dans une pénurie de masques qui était, comment dire, putain, un truc de malade. Tellement ça allait pas, on a essayé de développer une arme chimique avec une maladie très grave, pouvant raser, on va dire, tous les territoires de l'ex-URSS, comme l'Ukraine, la Biélorussie. Tout ça, vous voyez le délire. Je vois. L'objectif était de, comment dire, peut-être pas tuer tout le monde ou créer ces choses, mais plutôt de rendre malade tout le monde et de potentiellement venir avec un remède miracle et leur pomper toutes leurs énergies fossiles. Sauf que le truc, c'est que cette bombe, une fois qu'on l'a testée, on a bien vu que c'était pas une bonne idée. Sauf que comment vous expliquer? Vous voyez l'OTAN, vous connaissez l'OTAN? Oui. C'est un pacte militaire du bloc de l'Ouest. La France, l'Amérique, l'Espagne, enfin bref, l'Europe et les États-Unis en général, quoi. Et peut-être quelques pays alentours, comme la Là, Turquie et tout le reste. quand vous me dites ça, je me souviens d'un truc. Je crois que. Waouh! Vous inquiétez pas, c'est nos amis qui sont là. Ok. Et je crois que je suis né en Amérique, Bon. mais que j'ai décidé de partir justement ici. Mais. Je sais pas. Bon, venez avec moi. Pas pour être méchant, mais mettez-vous là-dedans, sinon mes supérieurs vont me faire chier. Ok, très bien. On va discuter depuis là. Donc, je crois que c'est sûrement le général qui me trahit comme ça, il n'y a que lui pour faire ça. Ah merde, je me suis coupé. Attendez. Ah oh, putain, j'ai rien sur moi. Après, je comprends votre méfiance envers toute personne inconnue. Sur les rapports de justement des gens qui s'occupaient de la prison, ils ont dit qu'il y avait des bandits qui les avaient attaqués et que plusieurs fois il y a eu des raids. Alors, écoutez, je peux vous laisser ici 5 secondes parce que là je suis en train de littéralement pisser le sang. J'arrive. J'ai des bandages sur moi si vous voulez. Ah! Ouais, je suis preneur, ça évitera de partir à l'autre bout du monde. C'est pas très pro, je sais, mais. En même temps que j'ai pas quitté la base, moi perso. Il y en a un autre si vous voulez. C'est gentil, je vous rendrai Bon, vous êtes l'appareil. où? Je suis Oh avec un putain. monsieur au niveau des prisons. Ok, viens. Putain, mais il est où ce con? Quoi? C'est vous, général? Ah, Ouais, vous êtes qui est ce là. monsieur? Un monsieur qui ne se rappelle de rien, il est revenu ici, il Bonjour. sait pas qui il est, il connaît rien, il sort juste d'une prison il y a 3 jours. Bonjour, vous êtes qui? Je ne sais pas. Ah, viens de vous le dire, chef, il sait pas. Mais attends, mais c'est quoi cette... Comment ça, il sait pas? Il sait pas, il a pris un coup sur la tête, regardez, il a encore les bandages et il se rappelle plus de rien. Il s'est réveillé dans la prison Alcatraz, là, sur l'île. Juste en dessous de Zeleno, et il se rappelle de rien. Il est revenu depuis 3 jours, il marche, il s'est retrouvé devant nos portes. Je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelait Severograd parce que quand je suis sorti de la prison, je suis tombé sur une carte et cette ville me disait quelque chose. Et je me suis dit que je trouverais peut-être des réponses et potentiellement des gens qui puissent m'aider, mais personne. D'accord, mon collègue vous a expliqué ce qui s'est passé et tout? Oui, il m'a expliqué, il m'a dit que vous êtes d'anciens. Enfin non, même des spetsnaz qui sont fait abattre par le temps. Ok. Voilà, vous essayez Mais... d'aider les gens, quoi. Exact, mais vous étiez au courant pour les infecter, etc. Ou quand vous êtes réveillé après le Je vous coup sur la avouerai que tête, vous avez découvert tout ça? quand je me suis réveillé, j'ai vu mes gardiens de prison et
compagnons de cellules par terre, gisant dans leur propre sang. Un vrai massacre. Et je suis tombé sur des notes qui parlaient de gens infectés qui se mettaient à attaquer tout le monde. Et j'y croyais pas quand je suis tombé sur l'un d'eux et que j'ai dû me défendre quoi. Ok. D'accord, veuillez rester ici s'il vous plaît. Vraiment, j'aurais besoin de vous voir vite fait à l'extérieur. Veuillez rester ici s'il vous plaît. À tout à l'heure. Pas de soucis. Je ferme la porte. Je ferme la deuxième porte. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah putain, je suis mort. Bon bah, de nouveau en prison. Putain. Oh, ce bordel. Assure à vous. Oui. Ouais. Est-ce que vous savez, vous êtes russe au moins? Je crois que je suis né en Amérique, mais j'ai décidé de partir, je crois. Je sais plus pourquoi, mais j'ai décidé de partir par ici. Vous avez aucune pièce d'identité? Je non. sais pas, une croix de Jésus, Comme un je vous l'ai indice? dit. Comme je l'ai dit à votre collègue, quand je me suis réveillé, j'ai essayé de chercher justement des réponses, mais je n'ai rien trouvé sur moi ni sur mes autres compagnons de cellule. Donc je ne saurais vous dire. D'accord. Mais j'ai des souvenirs que j'ai vécu en Amérique et c'est tout. D'accord. Ouais, c'est compliqué tout ça. Vous savez qui on est, nous? Bah, votre collègue m'a dit que vous étiez la Red Line, si je me trompe pas. Je crois que c'est comme ça C'est que vous ça. avez dit. Et il m'a dit que vous étiez des spetsnaz. C'est ça, on est des militaires russes et on est en guerre contre l'OTAN pour la libération de notre pays. D'accord. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, les États-Unis et la France nous ont déclaré la guerre il y a 3 ans. Et depuis, on est en guerre contre eux et c'est la merde pour nous. Je vois ça. Vous avez atterri dans un monde qui est semblable à l'enfer. Un petit peu, ouais. Et du coup, bah, on fait avec. Voilà, on fait avec. Après, le problème, c'est que on peut pas vous, si jamais, je sais pas, si jamais vous étiez intéressé pour un potentiel recrutement, le problème, c'est qu'on peut pas vous recruter dans le sens où vous avez pas toute votre tête, si je peux dire, comme vous savez pas qui vous êtes, d'où vous venez, et du coup, par rapport à ça, on peut pas prendre de risques, en fait. Ça, c'est le souci. Je le comprends bien. Par contre, en revanche, si vous voulez, on peut vous passer un peu de nourriture, médicaments si vous avez besoin. Ça, il n'y a pas de souci. Avant de partir. C'est Après, juste que. est-ce que vous savez où il y a d'autres survivants qui pourraient potentiellement m'aider et pour retrouver la mémoire? Malheureusement, nous, la plupart Ça changera des un peu là ou survivants pas, c'est avec beaucoup qui mieux. nous avons contact, On s'en bat les ce couilles. sont des personnes qui se battent Oula. pour la libération de la Russie Ah merde. face aux mains de l'OTAN. Et le problème, c'est qu'ils vous diront sûrement la même chose que ce que moi je vous dis, parce que bah, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Le problème c'est que je sais Après, ce pas. que je peux vous proposer. Est-ce que vous Oui. savez où se trouve Radio Zénith? Oui, j'y suis passé tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est au nord de Gorka. Là-bas, il y a encore une ville qui est debout, avec des commerçants qui font du commerce.
Et c'est encore la, on, nous on l'appelle la dernière ville parce que c'est une ville qui a été nettoyée par les infectés. Enfin, il n'y a plus d'infectés quoi. Et du coup, avec l'OTAN, on a fait un pacte, un contrat comme quoi là-bas il n'y aurait aucune guerre pour pouvoir garder cette ville-là encore debout. Et là-bas, vous trouverez peut-être des réponses. Et vous pensez que je serai en sécurité dans cette ville? Parce que, Vous comme l'a serez en dit votre sécurité. collègue, je ne pourrais pas être sûr que si quelqu'un me voit et qu'il me dise qu'il me connaisse, je serais pas sûr qu'il C'est me ce que connaisse j'ai dit, vraiment. chef, c'est qu'il est trop facilement influençable. N'importe qui peut le modeler comme il a envie. Ah, je vois ce que tu veux dire, mais comme je lui ai dit, le problème c'est que s'il voulait un potentiel recrutement, nous on peut pas se permettre parce que, comme je lui ai dit, il sait pas qui il est. Si ça se trouve, c'est un ancien soldat de l'OTAN. Tu vois, on peut pas prendre de risques par rapport à ça. C'est le problème. Imagine, je suis désolé, hein, c'est pas contre vous, monsieur, Non, mais mais je le comprends bien. imagine demain, il retrouve la mémoire et il se souvient que son meilleur pote, eh ben, il est dans l'OTAN. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Ça créerait encore plus d'histoire. Il est très Donc, intelligent, surveillons mais sa c'est pas route. ça. Mais c'est déjà après. Donc, je lui ai proposé qu'on lui donne à manger, quelques médicaments, histoire qu'il ait une chance de survivre à l'extérieur. Et Oui. ouais, partez en direction de Razo Zénith. Là-bas, vous trouverez potentiellement des réponses. Et la ville est Oui, monsieur. dans la radio? Ouais, la ville se trouve au niveau de Razo Zénith. C'est une ville qui a été construite Ah, donc c'est ça tous par les des murs que citoyens j'ai vus russes. quand je suis passé. J'ai essayé de toquer à la Ouais, c'est porte, possible. mais pas de réponse. C'est possible. Bah, c'est une ville qui a été renforcée et tout par des citoyens russes. Et du coup, ouais, c'est ce qu'on a décrété que avec l'OTAN, on ne ferait pas de guerre là-bas. Pour pouvoir garder cette ville-là qui est encore la dernière ville encore debout, quoi. C'est-à-dire sans effondrement de bâtiments, sans infection de contaminés. Donc voilà, si on pouvait la garder en vie, ce serait parfait, quoi. Donc c'est mon dernier Voilà. espoir pour pouvoir en fait retrouver la mémoire, on va dire. Bah, très sincèrement, oui. Et vous savez votre prénom et votre nom? Non, je ne sais pas du tout. Ah ouais, même ça, c'est vrai que c'est compliqué. Votre âge, peut-être? Vous avez à peu près des Je crois que j'ai 25 et 30 ans. 30 ans? J'ai 30 ans, oui. Ouais, c'est ça, Ouais, à j'ai peu 30 ans. près, hein. Bon, bah écoutez, on va se permettre de prendre juste votre identité, enfin, le peu d'informations que vous avez encore en tête, juste pour notre sécurité. Comme ça, si jamais un jour vous repassez par Vibor, on aura votre identité, vous pourrez passer sans souci, quoi. Après, D'accord? quand j'ai regardé les notes, après, je sais pas si ça peut vous aider et que du coup ça peut m'aider aussi. Sur les notes, il y avait un blason, on aurait dit une unité ou un truc comme ça, mais ça s'appelait l'UICP. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'UICP. Attendez ici, je vais voir mon sergent, ça me dit quelque chose le nom. J'arrive tout de suite. Je ferme la porte. En plus, le truc, c'est qu'il me connaît. Enfin, s'il a gardé son même perso sur Livonia, c'est. Selon ce que disent les gens, Monsieur? et. Oui. Ouais. Alors l'UICP, c'est Unité civile de la sécurité. Non, Unité militaire de la sécurité civile. C'est une unité qui est envoyée lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des pandémies, des trucs comme ça en fait. Voilà, chef. D'accord. Oh, Vous affirmatif, on chuchotez, relâche. chef. Allez, Ouais, on le relâche, on le relâche. venez, Donc, monsieur. ce que je vous propose, c'est que lorsque vous retrouverez la mémoire,
Et si jamais vous voulez vous battre à nos côtés, bah repassez. Et Bah je vous écoutez, expliquerai plus pas en de soucis. détail une fois souvenir. En Ok? espérant vraiment que je sois pas votre ennemi parce que vous êtes fort sympathique et. Bien. J'espère aussi. Après, j'ai envie de vous dire, même des fois, le fait qu'il y ait des ennemis, ça ne veut pas dire qu'on peut pas devenir amis. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Aussi, aussi. En l'occurrence, l'ennemi, c'est le zombie. Y a pas que. Ça serait bien s'il y avait que ça. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Monsieur, vous avez quoi dans votre sac? Alors attendez. Dans mon sac à dos, je vais regarder. Un Tenez, chargeur, prenez des ça, bouteilles. je vous ai mis de quoi survivre dedans. Ah ouais. Ah bon, rigolez pas. Non, pas de cache de survie quoi. Super. Bah, je vous Vous avez une remercie. pile dans la radio et une pile de rechange. Ok. Après, j'en avais déjà trouvé une de radio qui marchait. Mon sac est vide et je peux pas le mettre dans mon autre sac, du coup. Bon, on était dans l'attente ici. Ok. Je vous le laisse en souvenir. D'accord. Allez, venez, je vous rendrai votre arme à la sortie. De toute façon. Bah, j'ai plusieurs, moi. Mon P1. Allez, rigole pas, les gars. CP. Oh, donc ça existe vraiment? Merde, moi je l'ai inventé comme un con. Monsieur, Oui. votre vie. Merci. Ah, bah, j'arrive pas à la récupérer. Ah, c'est bon. Alors attendez 2 secondes, ne bougez pas, j'arrive. Oh putain. Bon, j'avoue quand même. Bah, Je vous ai dit, ouais. merci. Allez. Oui. Bah, j'espère vraiment. Tenez, vous pourrez en avoir besoin Ah, pour super, transporter merci. plus de choses. C'est super Et gentil. Je mettez la vous ai cagoule que je dit. vous ai donnée, comme ça vous attraperez pas froid. Et comme je vous ai dit, allez à Radio Zénith. Là-bas, vous trouverez peut-être des réponses à vos questions. Très bien, Ok? bah écoutez. Écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Merci de Il n'y a pas de souci. m'avoir aidé. Bah. Aucun souci, monsieur. Et du coup, bah Bonne peut-être que journée je à vous. repasserai pour vous voir si je retrouve la mémoire et si justement nous avons un ennemi en commun ou je ne sais quoi, bah, je serais ravi de vous aider. N'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne Enfin, journée bonne à vous soirée. aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah, merci. Bonjour, bonne soirée à vous, monsieur. Bonsoir. Vous aussi. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, Il y a c'est du monde qui arrive. Bonjour. Vous attendez? Moi, je vais Bonjour. aller dormir. Hop. Allez-y, entrez. Ah, c'est ouvert. On m'a parlé d'une Ouais. ville juste ici, du coup, je suis venu. On n'est pas une ville, mais c'est ici, on est une zone marchande. Ah, vous êtes à la zone marchande? Et la ville, elle est où? Ouais. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une ville à Pas de ville. Radio Zénith. Bah, les villes, il y en a partout autour de vous, en fait. Il n'y a pas de ville à Radio Zénith. Mais d'accord. On m'a dit qu'il y avait des gens ici et que justement vous étiez une Ouais, sorte ici, on de. est les marchands. Notre monnaie d'échange, c'est la vente de LR. Si vous avez de la vente de LR, vous venez nous acheter tout, n'importe quoi. Et Ah, pareil, d'accord. on peut vous vendre des trucs. Enfin, vous acheter des trucs. Ok, c'est quand même, bah écoutez, bah. Vous vendez de la nourriture parce que je vous avouerai que je suis un peu à court.
Ouais, vraiment, hein. Tiens, tiens. Tiens, je te donne, moi. Donner carrément. Ouais, j'en ai un peu beaucoup donc. C'est gentil. Et vous savez si que s'il y a des choses à faire par ici. Bonjour là. Je dis. Ouais, voilà, survivre et rejoindre un groupe peut-être. Ou une armée. D'accord. Survivre, survivre. On va rejoindre une armée pour leur faire confiance quoi. Ça peut t'apporter des trucs. Essayez de survivre pour l'instant, je pense. Voilà, bienvenue à la zone Marchade. Vous êtes toujours le bienvenu, comme tout le monde et toutes les factions qui puissent exister sur Tchernarus. Une seule règle, une fois que t'as passé le portail en bois là, c'est que tes armes restent dans le dos. Il est interdit de se frapper ici, dans l'enceinte du bâtiment, également jusqu'au périmètre de l'hélicoptère là-bas en dessous. Ok, très bien. Punissable d'une bonne grosse sanction si on fait de la thé ici. Voyage direct au pôle Nord. Voyage direct en mode déchirement de visa. Ok, très bien. Catapulte. Ça peut donner un mini exemple et que vous compreniez là où il faut revenir. Donc ici c'est une zone clairement de moi. Ouais. Faut bien réfléchir avant de faire une connerie ici. Si okay, vous n'avez pas envie de partir pour toujours ici. Mais je veux savoir, vous savez où je pourrais trouver d'autres survivants, une sorte de communauté un peu. Alors, donc, sur votre fréquence radio. Oui. Votre petite radio là. Vous allez dans la fréquence radio et vous publiez des petites annonces, des messages. Les gens ils finiront toujours bien par entendre votre message sur la fréquence radio. Ok. Sinon venez, on va aller s'orienter à l'espace fontaine. Là un espace où tout le monde se recueille et profite de la fontaine à volonté. Ici? Oui, oui, oui. Ils sont où? Et par hasard vous vendez quoi par ici? Par hasard plutôt, qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça en vrai la vraie question. Bah... Après, ce que je recherche n'est pas quelque chose à avoir, enfin que vous pourriez avoir, mais bon, c'est toujours bien d'avoir du matériel. Ici. Dis-moi, il y a énormément de choses que je possède dans ce commerce. Pas si vous avez des lunettes pour Fugit Sniper. Lunettes de chasse, ouais. Ouais, ça je serais preneur. Ça, on les vend au tarif de 20 LR à la lunette de chasse. Après, vous utilisez quoi comme monnaie entre guillemets ici? Je vais vous montrer, regardez, j'ai un LR sur moi. Ah, vous parlez de Van de Lanry? Ouais. Voilà. J'ai une boîte sur moi. Regardez. Vous voyez ça, monsieur? Vous avez des pièces comme ça. Ou les billets comme ça et tout ça. Mais vous venez me trouver et on fait du commerce avec ça. D'accord. C'est très bien. Et à toute heure. Ah ouais, ouais. Parfois on est là à des heures, je sais pas quoi. Des fois on n'est pas là aussi par la rue. Et du coup, votre lunette de chasse, c'est combien? Alors pour une lunette de chasse de Toundra, donc ça c'est 20 LR. Alors attendez. Oh mais d'accord, il y en a 50. Je peux pas les séparer. Alors attendez, faut que je fasse une pièce parce que j'ai les mains collées. Ok. Est-ce que vous êtes de retour? Oui, je suis de retour mais j'ai plus les mains collées, donc c'est bon. Parfait. Donc on disait une lunette de chasse, c'est ça? C'est ça. Mais les portes, moi j'ai pas accès aussi. Le sac, tu le reprends? Oui, oui. Attends, mais il n'y a pas mon Tintin. Sorcier. Bien vous, moi.
C'est quoi ce RPSMR? Oh Tintin! Arrête de me parler comme ça. Oh, bon, déjà une minute de chance, ça va se faire bien mieux. C'est vrai qu'ils ont descendu de 40 à 25, ça fait mal quand même. Je pense qu'il allait descendre progressivement, genre 40, 35, 30. Ah, là, il a divisé par deux le prix, déjà que le prix était divisé par deux. Là, cher monsieur, une magnifique lunette de chasse, regarde comment ça. Vous m'avez dit 20, c'est ça? Oui, ça a l'air parfait. Quoi, elles sont parfaites. Tiens, vous, monsieur, prenez là. Voilà. Super, bah merci. Ouais. Bien. Fred, le pack de plaques, on peut les reprendre 35. C'est un peu mieux. Un trade. Voilà, la limite. Du coup, vous me disiez pour pouvoir trouver une communauté, c'est de voir dans ma radio et de faire un appel en fait. Ouais, envoyer, publier un message sur la fréquence radio. Après, je vais paraître un peu vieux, mais je ne sais pas comment ça marche. Ouais, la technologie d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On prend genre sa radio ou quoi. Ouais. Mmh. Après ben on passe à l'allumer hein, effectivement. Mmh. Ensuite on va sur fréquence radio et on met un message. Ah, attendez, j'allume ma radio. vous allez sur la fréquence Discord. Ok, ouh, alors attendez, tournez le bouton jusqu'à Discord. Voyez, c'est bon. Comme ça, hop, c'est bon. Vous êtes même pas normalement sans avoir une radio, mais vous pouvez faire ça avec votre radio, ça marche. C'est pas obligé. Pas du tout obligé. D'accord. Et après, bah, vous dites votre message. Hein, là. Bonjour, je suis un survivant qui traîne actuellement à Radio Zénith 2. Je cherche un groupe. Ah, j'ai juste besoin de marquer le message. Ouais, voilà. Et hop, après, c'est bon. Ce sera un message qui sera diffusé sur la fréquence radio et toute personne qui le verra, ben il entend le message que vous avez publié. Oui, je... Parce que vous avez parlé votre message, donc les gens ils l'ont entendu. Ah, mais ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont le... Forcément, il y aura peut-être bien des gens qui vont répondre, ou pas. Et peut-être répondre, mais c'est pas le genre de personne que je cherche. Ou ce sera peut-être le genre que tu cherches. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ton message radio, tu précises quel genre de genre tu veux être avec. Voilà, si tu veux être un tueur en série, un petit chasseur pacifiste, ou faut leur un préciser. Un bisounours. Voilà, un bisounours, ou... Ok. Ben, je vais... Non, du coup. Bon. Bon allez, Random, va falloir que j'y cherche un colis. Moi, du coup, monsieur, merci pour les informations. Et du coup, bah, je vais vous laisser à vos affaires. Fred, bon, je tout ce qu'il y a à dire, parce que le monsieur l'a posé pour 100. Ça va. Bonne chance. Merci. Ah, ça va être chaud là. Bon. Le truc c'est que du coup je peux faire confiance à personne. Le truc c'est que je connais rien de... Je connais pas les différentes... différentes factions, je n'ai aucune information en fait sur toutes les factions qu'il y a dans l'article.
coup, je viens de recevoir un message radio. Tu me donnes rendez-vous à Olcha. Juste à Olcha. Olcha. C'est bizarre. Ça me dit quelque chose aussi. Les souvenirs remontent. Comme si je les avais pas vus. J'ai le point d'eau. T'arrête-toi. À genoux tout de suite. Oh putain. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, on m'a donné rendez-vous ici pour m'accueillir dans une communauté. Lève-toi et avance. Ok. T'es tout seul, j'espère. Oui. Faudrait pas que je te pète un genou pour être sûr d'avoir la vérité, quand même. Si, en fait, l'OTAN et les communistes ont toujours été en guerre. Sûr. Et là, okay. C'est devenu une guerre chaude. Attends, j'ai juste une minute. J'arrive, hein? Bougez pas. C'est qui, toi? On m'a dit de venir ici pour m'accueillir. Oui, effectivement. Ah, tu peux venir, mais par contre, tu te déchires, d'accord? Okay, je te parle après. Ok, je me Viens avec moi. Je laisse les bras en bien Vas-y, tu peux baisser, tu peux avancer. Ok. Mais dans quoi je m'embarque? Viens ici, assis ici, et tu ne bouges pas. Je viendrai à toi plus tard. Oui, madame. Reprenons. Alors en fait, il y a très bien il y a eu la grande guerre froide entre les pays membres de l'OTAN et le bloc de l'Est soviétique. Pour la faire courte, c'était une grande guerre froide. Les soviétiques ont perdu la guerre froide. Alors, la Russie n'est plus communiste. Mais ce bataillon de Red Line était, je crois, une troupe de communistes qui ont décidé d'envahir la République de Tchernarus et qui ont commencé à attaquer par les frontières russes. Tant que l'OTAN est venu, et a mis confinement pour empêcher le virus de s'enfuir, et après c'est devenu une guerre chaude, car les communistes et les capitalistes ne pouvaient plus se blairer. Donc là, tu es en train de me dire que, même en temps de post-apocalypse, les humains sont encore capables de se battre. Eh oui. Ouais. En fait, c'est parce que... Incroyable. Il y a un confinement, et donc... Je trouve ça particulièrement stupide et inutile. Mais bon, soit, je ne suis pas dans ces histoires, alors cela n'est pas de mon égard. Moi non plus. Je ferme ma gueule. Elle me regarde, bah, je ferme ma gueule. Kurt, je pense qu'on a terminé, nous. Après, je vous laisse avec la troisième personne qui vient d'arriver. D'accord. T'as terminé toi? Le toutou. Je ne sais pas, je fais un petit peu réfléchir et je pense que je reviendrai plus tard. Ok. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Kurt. Je peux avoir un traitement pour toi. Il suffira juste de me rappeler à la radio. Bien sûr. On est croquettes, je vais rester dans les parages. Reste dans les parages, oui, car notre lieu de rendez-vous se trouvera toujours ici. Bien sûr. Ok, et ben. Eh bien, Kurt et Raphaël, je vous souhaite alors une agréable journée. Et Au revoir.
Au revoir et à bientôt. Au revoir. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux savoir votre nom ? Daryl Blaze. D'accord. Vous venez d'où ? Je viens d'Amérique, mais j'ai vécu en Livonie avec ma femme avant toute cette merde. Vous êtes ici depuis pas très longtemps, alors si je crois bien dire. Je suis arrivé par les côtes et je sais pas comment je me suis retrouvé sur les côtes. Je pense que j'ai eu de la chance. Et ça fait 3 jours que j'essaie de trouver des survivants, que je me balade un peu partout. Je suis allé jusqu'à Severograd et j'ai réussi à trouver des gens au Radio Zénith. Ils m'ont dit d'essayer par radio de contacter quelqu'un. Oui. D'où ma venue. Radio Zénith, oui, c'est les personnes qu'on le connaît. C'est bon, ça passe. Eh bien, écoutez, j'ai cru comprendre donc que vous cherchez un groupe. Il se peut que nous cherchons des hommes pour la sécurité et pour le travail qu'il y a dans l'institution. Donc je vais vous expliquer un petit peu, puis et on va voir si vous êtes intéressé ou non. Ah, mais je suis toujours intéressé, mon petit. Donc, nous sommes la Power Corporation. Donc, on est un groupe de scientifiques, si je peux dire comme ça. Et nous travaillons sur différents projets qui sont très intéressants. Je vais travailler pour Umbrella. Et pour protéger ces projets, on a besoin d'hommes. Pour. Attendez, parce que je suis perturbée avec deux personnes. Il faut savoir en fait que nous sommes très stricts, comme j'avais dit aux deux personnes qui s'étaient devant. Est-ce que cela vous fait peur ou pas ? Non. Vraiment ? Non, ça me... un petit peu. Dites-moi, quel âge avez-vous, monsieur Daryl ? J'ai 35 ans. D'accord. Est-ce que, à part Radio Zénith, vous avez croisé d'autres personnes sur Jeanne Russe ? Non. Non, non. Très bien. C'est jamais parce qu'il parlait des Russes. Vous avez des questions peut-être sur nous ? Bah. Vous faites quel type d'expérience ? Alors. En gros, pour résumer, en gros, nous sommes pour l'espérance de vie de l'humain, c'est-à-dire qu'on fait des expériences sur des humains, mais ce n'est pas pour la... Attendez, je cherche mes mots. Ah ouais, mais... C'est pas pour la mortalité, vous voyez. C'est plus pour la vie. Pour la prospérité. En gros, vous essayez de trouver une solution à tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça. Nous ne travaillons pas sur les zombies, c'est un cas désespéré. Mais tout ce qui est sur l'homme, nous travaillons sur ça et nous avons aussi d'autres projets en cours qui sont un peu plus intéressants mais que je ne dois pas délivrer. Comme ça au grand public. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la peau peut aussi recueillir des malades, que ce soit mentaux ou des blessés, pour oh putain, c'est trop bien. Les guérir ou alors faire un stage particulier à la peau pour régler toutes sortes de problèmes. Vous êtes en train de me dire que vous pouvez régler des problèmes mentaux et pouvoir guérir les gens. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un hôpital en soi. C'est la seule chose... Enfin, c'est la seule...
comment dire, c'est le seul lien qu'on a avec la vie extérieure. Le reste, tout se passe en institution. Donc on a un grand institut qui est quelque part sur Tchernarius, et on travaille tous là-dedans pour tous les jours essayer de découvrir un peu plus sur la vie humaine. Et quelqu'un qui souffre d'amnésie, vous pouvez l'aider ou pas? Birgit. Bien sûr. L'amnésie, tu as travaillé dessus? Pas vraiment, mais ça se travaille, ouais. Voyez-vous, les deux personnes qui étaient ici, il y avait une des personnes qui était malade, c'est-à-dire que elle avait des elle a des hallucinations. Et je lui ai donc proposé l'aide de la porte pour régler cela. La porte. Elle va revenir donc me voir demain pour commencer à prendre un traitement. Donc l'amnésie peut être soignée. D'accord. Je sais pas quoi répondre. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Une bonne cause à défendre, on va dire. Oui, effectivement. C'est quelque chose d'intéressant, mais voyez-vous, la porte a une hiérarchie, excusez-moi, assez violente et assez stricte. Je sais pas si cela vous fait peur, mais dites-vous que quand vous allez rentrer dans la porte, si bien sûr vous le souhaitez, vous allez être malheureusement maltraité au début. Mais tout cela va payer plus tard. Car dans la hiérarchie, quand vous montez, vous avez au fur et à mesure de plus en plus de droits. Et donc, de plus en plus de confort de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois très bien. Donc si cela ne vous fait pas peur et que vous avez une soif de curiosité, eh bien, je peux vous accueillir. Mais sachez que cela est irréversible. Si vous rentrez dans la banque, vous allez y rester. Parce que nous avons des informations très sensibles. C'est pas le choix. Bah écoutez, ça vous pouvez que bien sûr prendre. Je n'ai nulle part où aller et. Je n'ai pas. J'ai déjà réfléchi, je pense que. Bah, je suis intéressé. Après, je ne vais pas vous tirer par les vêtements, je ne vous oblige pas. Si vous vous dites que vous allez dans la porte parce que c'est le seul groupe qui pourrait vous accueillir, dans ces cas-là, je vous dirai de réfléchir un peu plus. Non, ce n'est pas une histoire de ça, c'est plus que. Je pense que. L'histoire vous intéresse. C'est ça. Comme je vous ai dit. D'accord. En fait, je souffre d'amnésie. D'accord. Et je pense que ce serait le seul moyen de guérir, de vous rejoindre. C'est pas votre. En fait, là, ce qui se passe, c'est que c'était pas votre ami, mais c'était vous qui souffrez d'amnésie, c'est ça? C'est ça. D'accord. Vous voyez quoi? Disons que j'ai rencontré des gens il y a très peu qui m'ont dit que justement il fallait éviter que je dise que je suis amnésique. Oui, d'accord, je vois. Vous donner une image de quelqu'un de faible. Donc c'est normal que vous cachiez cela en vous. Surtout quelqu'un de manipulable. Oui, effectivement. Vous voyez, quand vous rentrez dans la porte, il y a trois catégories. Vous pouvez être un soldat, un scientifique ou un malade. Quand vous êtes malade, vous respectez comme les soldats et les scientifiques la hiérarchie et vous travaillez pour la porte. Vous restez à nos côtés. Et c'est comme une sorte de stage. C'est-à-dire que nous allons vous faire subir des traitements, parfois douloureux, parfois non, qui seront là pour traiter votre maladie en question.
Et au fur et à mesure, tout doucement, vous allez finir par guérir, de toute façon. C'est inévitable. Parce que la barre utilise des fonctions et des façons de faire qui fait que vous finissez toujours par guérir. Vous voyez? On a une devise quand on a des malades comme ça, de la tête, si j'ose dire. C'est détruire pour mieux reconstruire. Donc si vous arrivez à nous faire confiance, on peut vous caser dans la boîte en tant que malade. Donc, vous guérir de votre amnésie. Et si j'ai envie de vous rejoindre en tant que soldat? Si vous voulez nous rejoindre en tant que soldat, cela pourrait être possible. Mais vous seriez malade. Alors je ne sais pas, peut-être que vous devriez d'abord faire par exemple une semaine en tant que malade et après soldat, une fois que vous irez mieux. Oui, je pense que c'est une solution. Je sais pas, après c'est à vous de voir. Si vous me dites que vous êtes capable d'être soldat tout de suite, eh bien soit, comme vous voulez. Mais que je ne vous vois pas tirer n'importe où avec votre fusil. Non, vous sinon il pas, vous sera confisqué. Je fais attention avec ça. Percus mais... numéro 1 est parti. Oui, il a eu un problème et puis... Il a pas envie de revenir. C'est ça. D'accord, ça m'étonne pas. Ok, vous disiez. Je sais même plus. Excusez-moi, j'ai complètement oublié en fait de quoi nous parler. Je n'entends pas ce que vous me dites. Vous êtes en train de chuchoter aussi. Je disais, je me souviens pas de ce que. De quoi on parlait. Est-ce qu'ils sont encore. Oh. Ah, oh, d'accord, c'est encore vous. Bordel. Je disais que si vous êtes assez compétent, d'après vous, pour être soldat tout de suite, je peux donc vous donner cette faculté. C'est comme vous le souhaitez. Oui, après, je n'ai pas de souci avec les armes, je ne prends pas n'importe quoi, et justement, c'est les seuls souvenirs dont je me souviens. Mais il faut comprendre que si vous n'êtes pas en mesure de remplir votre rôle, vous aurez les conséquences qui vont avec. Je le sais très bien. J'en suis conscient. Et croyez-moi, j'ai pas de pitié là-dessus. Je vois ça. Alors, monsieur Daryl, est-ce que vous tentez l'expérience? Ou est-ce que vous allez rester là? Quelque chose me dit que si je vous rejoins, j'aurai mes réponses et... je trouverai qui je suis, entre guillemets. Je vais vous le dire une dernière fois. Si vous rejoignez la Bor Corporation, c'est un chemin sans retour. Je sais très bien, mais bon, c'est comme vous ça que doit finir le vous échapper. Nous vous retrouverons à chaque fois. Ce n'est pas l'intention de m'échapper. C'est une grande famille qui est certes stricte, qui a des lois formelles et logiques, qui au fur et à mesure des échelons vous permet de vous développer intérieurement, intellectuellement et même physiquement. Donc écoutez, si vous êtes prêts, je vous invite alors à me rejoindre pour aller à l'institution. Là-bas, je vais vous donner le livre de bord. Il faudra le lire soigneusement. C'est là où est écrit l'histoire de la bord, ainsi que les règles qui vont avec. Très bien. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient. Ça me convient. Parfait. Alors attendez que je regarde un peu ma radio, voir. Je suis dans tout de suite.
Vu que je vais vous rejoindre et que du coup, bah, il n'y aura pas de secret, je m'appelle pas vraiment Daryl Blaze. Je ne sais même pas comment je m'appelle. C'était juste une sécurité par rapport c'est à ce que grave. Je vous ai dit. C'est pas grave, parce que quand vous rejoignez à bord, vous oubliez votre passé. Je pense que ça va pas être difficile pour vous, du coup. Et non. Vous avez un nom qui est un chiffre. Donc, ça vous met, tout de suite dans l'ambiance. Vous seriez donc le numéro 5. Et puis, vous en faites pas, ça, je l'avais bien senti. Quoi donc? Il pue la mort, c'est évident, non? Pourquoi tu dis ça? Disons que les odeurs m'en disent beaucoup. Ouais. Eh bien, il prendra une douche comme tout le monde. Et ce sera problème réglé. Non, c'est pas ça. Cesse de parler, prédateur. Je ne veux plus entendre ces paroles. Et ben voilà. Attendez juste une minute. Voilà. Il le okay. sent. Bon. Il sait qu'il y a quelque chose vous derrière. Emmener l'institution. On va rentrer à la maison. Nous avons encore des choses à construire et à ranger. Donc je vous invite à nous suivre. Je pense que personne d'autre. Si vous pouvez prendre ça dans vos mains et rentrer à la maison, moi je m'absente une quinzaine de minutes. D'accord. Virgus, c'est bien par là-bas. Puis la meurt. Par contre, attends, Virgus. Parce que j'ai vu qu'il y avait l'autre qui rôdait autour. J'ai pas envie qu'il nous suive. Je sais pas où il est. Il y a plus un feu de camp. T'as dit quoi? Il est plus à son feu de camp. Ouais, mais faut faire attention. Putain, je suis avec Umbrella, quoi. Ah, il a juste son. Il a juste son vestiaire. C'est une femme. Cher monsieur, quelles sont vos disponibilités le soir ou la journée? Le soir, je suis disponible vers 17h jusqu'à 22h. D'accord. Et en week-end, bah, je suis disponible tout le temps. D'accord. Vous me rappelez extra, j'ai envie de lui dire, vous me rappelez extrêmement que c'est un. Mais dans une autre vie. Donc là, vous allez pénétrer dans l'institution. Donc il faut savoir que c'est un très grand bâtiment. Donc, tout est bien rangé à sa place. Il y a même un plan que je vais vous donner tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a toutes les tentes et toutes les tentes sont nommés, c'est-à-dire que toutes les tentes ont des choses dedans. Tout est trié, si vous voulez. Ok, très bien. Vous avez faim? Ah oui. Tenez. Ah, vous inquiétez pas, des survivants m'ont donné à manger. Vous êtes en train de chuchoter, monsieur. Il faudrait parler un peu plus fort. Je disais... Vous savez comment faire? Non. Allez-y, parlez là. Je parle. Ouais. Il va falloir que vous appuyiez sur votre muscle L1 et en même temps vous appuyez sur votre muscle flèche de gauche. Ça va vous modifier votre micro. L1, elle va dire. L1.
D'accord. Voilà. Je viens de comprendre. Parfait. Super, merci. C'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, je vous disais, des survivants m'ont déjà donné à manger. Du coup, ouais. Eh bien, il faut penser à manger parce que j'ai entendu votre ventre croustillé d'ici. Ah, carrément croustillé. Oui, croustillé. Je n'ai plus les yeux, mais j'ai toujours les oreilles. Bah, je vois ça. Heureusement que j'ai mes oreilles d'ailleurs. Comment ça, vous avez plus vos yeux? Je suis malvoyante. Ah. Je ne vois que des grosses formes, pas les détails. Là, je vous vois juste une sorte de gros point bleu. C'est tout. Ce n'est pas bien grave, ça m'handicape pas vraiment. Peut-être que vous trouverez une solution plus tard. Peut-être. Je vais vous raconter pourquoi. Parce qu'il y a une raison à cela. Mais je vous raconterai cela plus tard. Vous devez d'abord prendre conscience que la Borne n'est pas un simple groupe lambda. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir vous aider, pour vous apporter des choses. Ce sont des sages paroles. Des sages paroles. Bizarre, cet endroit me rappelle des choses. Vous rappelle quoi? Le confort. Je vois. Au moins, ça vous rappelle quelque chose. Cela veut dire que votre cerveau n'est pas si abîmé que ça, finalement. C'est comme si j'étais déjà venu à cet endroit, mais... Ça ne me dit rien. Je vois. Là, juste là, il y a la fin. Donc ah oui, pour l'instant, pour l'instant, pour le code, vous le serez pas tout de suite. Je le donne au nouveau que à partir de 3 jours. Ouais, je comprends bien. Donc vous voyez, c'est une grande institution. Donc je compte sur vous pour ne pas révéler la position à qui que ce soit. Ni aucune autre information. Merci Pergut. Bienvenue dans la mort. Donc là, vous allez passer tout d'abord dans le garage. C'est là où on stocke toutes les voitures, les camions disponibles. C'est aussi un sas. C'est là où on accueille nos visiteurs, s'il y en a. Et il y a aussi un petit coin pour la culture. Il est vrai que Bergotz aime bien travailler sur les plantes. C'est une source de vie considérable. Et là, vous arrivez dans l'institution en elle-même. À votre droite, il y a tous les appartements des Zero Workers. C'est ce que vous allez être, un Zero Worker. Un soldat. À votre gauche, vous avez tout notre stockage. Droit devant, il y a le tremplin. Le tremplin est un lieu où on aime bien se rassembler. C'est un lieu aussi de détente. Et tout là-bas, le trou qu'il y a dans le mur, c'est notre tour. En fait, il y a les... Dans la hiérarchie, je vais vous nommer tous les stalls qu'il y a. Il y a tout en bas, les Zero Workers. Un peu plus en haut, les Ramrods. Encore en haut, les Head Chef.
encore en haut, les coordinateurs. Et tout en haut de l'échelle, il y a les speakers. Moi, je suis un speaker. Et Pergotsky ici est un coordinateur. Donc, il n'y a que les speakers et les coordinateurs qui ont le droit d'aller dans la tour qui est là-bas. C'est leur maison. Okay, très bien. Toi, tu habiteras dans les casiers qui est là, ici. Donc là, c'est tous des casiers à des zéro workers. Et tout au bout, c'est une salle où tu n'as pas le droit d'aller. Très bien, c'est noté. De toute façon, je te dirai où est-ce que tu pourras habiter. Aussi, il faut savoir que si tu prends un box, tu dois remplir les murs. Enfin, tu vois qu'il y a des murs qui sont remplis et d'autres non. Ceux qui sont pas remplis, c'est soit des zero workers qui ont oublié de le faire, soit des box vides. Donc, si tu sais construire, tu seras chargé de remplir les murs. Comme ça, la box t'appartiendra. Très bien, pas de soucis. Maintenant, je vais t'inviter, si tu as le temps, bien sûr, de venir t'asseoir avec moi dans le tremplin. Et je vais t'expliquer un peu plus en détail là-bas. Je vais aussi te faire lire le livre de la Borg Corporation si tu veux bien. Ah bien. Après, je vais rester avec toi si tu as des questions. J'ai très peu de temps, mais je pense avoir le temps pour parler. Après, si tu préfères faire ça demain, on fait ça demain, mais le problème, c'est que je serai là que le soir. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Tout pareil pour moi. Et les affaires que votre ami m'a dit de prendre. Donnez-le moi, je vais le ranger. Bon, j'ai le temps. Hein. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Pergotte. Tu peux parler. Est-ce que tu pourrais ranger ça, s'il te plaît? Donc, j'explique à monsieur. Putain, je tombe. Merci. H24, malade. Du coup, est-ce que tu préfères lire le livre maintenant ou tu préfères le lire demain? Je le lirai demain, je pense. D'accord. Donc, ce que je vais faire pour me rassurer, c'est que je vais te mettre dans une box. Je te mets pas en prison, hein. Mais je vais te mettre dans une box, comme ça je suis sûr que tu ne toucheras pas aux tentes pendant mon absence. Après, vous avez le temps de m'expliquer, j'ai encore un peu de temps, et voilà, quoi. Je pense que le livre, vous me dites, je pourrais pas le lire ce soir. D'accord, donc le livre, vous préférez lire demain? Ouais, mais le problème, c'est que pour vous expliquer, il faut que vous ayez lu le livre. Ah, d'accord. C'est ça, le truc. Donc, je sais pas quoi faire. On va le faire ce soir, comme ça, c'est fait. Il y a que 10 pages, après, c'est pas quelque chose d'extrêmement long non plus. Non, mais du coup, on va le faire ce soir, comme ça. Je vous le donne maintenant, alors? Ouais. Oui, ok. Alors, attendez que je vous cherche. Voilà, je vous ai tout envoyé. What the fuck? Donc là, vous voyez, il y a le livre de la mort. Et après, les plans, je vous les donnerai plus tard. Donc là, je vais vous laisser lire. Au niveau des règles, je vous conseille de lire que les règles à vous. Comme ça, ça vous évitera de lire 3 pages pour rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser lire. Et une fois que vous avez terminé, vous me dites. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail et je répondrai à vos questions. Ça vous va? Ok, je vous laisse lire là. Attends. J'ai pas. Ouais, ça ressemble à mieux. Alors.
Sors un livre, s'il te plaît. Bon. Alors. Labor Corporation a été créé par un but de bonne image, de simples scientifiques ou bien médecins présents pour répondre à la question la plus farfelue de l'humanité. Est-il possible de devenir immortel? Oh, et Targets, père de cette institution, menait des recherches bien précises sur comment créer une vie sans fin. Accompagné de ses vaillants savants, ici une variante de test jusqu'au projet Lucie 0.001. L'expérience encore est toujours en développement, mais actuellement. Les actuelles dirigeantes de la Boer Corporation. Ok. En plus, c'est des petites pages, ça va. Système sectaire. La Boer Corporation a un système et un fonctionnement sectaire. Il y a des hiérarchies, des règles strictes, des punitions. Si vous y venez, vous y restez jusqu'à la mort et vous devez vous soumettre à toutes ces règles qui sera inscrites dans les pages 4 à 9. Les règles de la hiérarchie sont inspirées en fonction de Helen School, un programme interne de l'éducation, le comportement privé mixte et un internat thérapeutique à Poland dans le comté d'Andrew Collins. Wow. Designé comme le plus violent et le plus strict du monde. Je crois que je vais faire muter la gueule. Hiérarchie. Le speaker dirigeant de la Boer Corporation gère l'entièreté de l'organisation. Personne n'est autorisé à parler, pas même ce plus grand rapproché durant sa parole. Tout le monde de respect envers ce dernier sera certainement renseigné selon la page 80 du livre de Hildebert. Pouvons aller jusqu'à une peine de mort. Oh là là. Celui qui se charge lors de cette. Attends. Charge. Toutes les décisions, il décide celui ou non. Dans ce cas, il est important de prendre la vie de votre membre inférieur. Le coordinateur, bras droit du speaker, il s'occupe de la gestion du groupe en son absence. Il doit le surveiller. Tous les fils et gestes des membres inférieurs afin de rapporter complètement une fois au speaker. Ils sont dans la capacité de prendre des décisions ou encore de punir sur eux-mêmes, recevoir une punition, une rétrogradation de leurs fonctions. Et vous devez leur obtenir aussi le messager du speaker. Les HF. Quoi, c'est chaud. Ils sont généralement en charge de veiller à ce que tout le monde soit présent. Le headcounting consiste à noter tous les heures chaque tête présente sur un calepin. Si headcounting n'est pas fait ou est mal fait, le headcheck sera puni. Jusqu'à la rétrogradation, généralement, un headcheck adresse la parole et commande le rang plus inférieur. Les lots sont assignés à chacun une paire de ramrod à surveiller et commander. Attention, s'il est incapable de répondre à ses demandes ou s'il s'adresse à l'éditeur, n'étant pas assigné, il sera puni. Les ramrods, sont les petits niveaux acceptés dans l'institution après avoir suffisamment prouvé leur valeur en tant que zéro worker. Nous avons droit à la parole avec le head chef et le coordinateur. Si membre de votre inventaire est le chef ou encore s'il se confie à sa paire, il sera rétrogradé, puni selon les pages 4 à 9 du livre de bord. Les zéro workers sont les morceaux frais de Boer Corporation. Interdiction de faire quoi que ce soit sauf sous permission de la HF ou qui eux et ce de même pour la parole. Il devra prouver sa valeur et sa loyauté en effectuant divers tests de manière fréquente ou divers tâches leur étant assignées.
C'est la main va briser sa réclamation et sera punie. Et sera sous les punitions de la page 4 à 9. De bord jusqu'à saisie de la leçon. Par contre, à ce stade, au deuxième avertissement, la mort vous attend. T'inquiète pas, moi, je fais ce qu'on me dit. Tu t'as vu, elle m'a dit coucher, j'ai dit coucher, j'étais poussé. Dire bonjour, madame, monsieur. Oui, madame, monsieur, pour les hauts chefs, en mode, je vais leur faire respecter. Les règles de votre case hiérarchique, annoncez votre travail, annoncez votre sortie, votre rentrée, toute chose vous semblant suspecte, gardez votre bureau rangé, dénoncez les collègues qui enfreignent les règles, être meilleur que vos collègues, ignorez les remarques et paroles des citoyens extérieurs de Border Corporation, montez les chefs hiérarchiques pour être mieux traités, travaillez le plus possible pour le but premier de Border Corporation. Très intéressant, franchement c'est un truc qui m'intéresse grave, surtout pour mon perso qui aime musique et qui en fait trouve que c'est une solution. Il est pas comme Diego, il aurait jamais accepté. Par contre il faudrait tamer le drapeau ce soir parce que j'ai peur que tout disparaisse, mais du coup c'est pas Diego, donc putain, avoir une image parler trop doucement, les règles des zéro workers. Pas le droit de avoir une image, c'est-à-dire être sur le côté, parler trop doucement, être attiré par quelqu'un, regarder par la fenêtre, ne pas écouter les rangs, penser à fuir ensemble trop sombre, être lâche pendant le travail, trop parler, pas assez parler, langage corporel négatif, parler trop fort, regarder le sexe opposé de manière insistante. Toute forme de contact physique, sourire trop, ne pas. J'aime trop. Mission non autorisée, capable de dormir, être longtemps, être manipulateur, écouter la musique non autorisée, ça bouge plus de 30 secondes. Réagir aux ordres, c'est difficile. Ah ouais, franchement, on est vraiment les pires merdes. Prétendre que ce n'est pas votre faute, fouiller dans les dossiers, délivrer des infos à des inconnus. Parler à ses supérieurs sans respect. Les gens au cœur n'ont pas le droit de parler directement au cœur, sauf extrême violence. Ils doivent passer d'abord par les coordinateurs. Ils doivent faire leur preuve pour monter l'échelle. Quelque chose me dit que je vais briser tous ces putains de serments. Je vais briser carrément les règles. Ah, les punitions. Stade 1. La première des adolescents, c'est c'est mot d'excuse supérieur. Stade 2. La désobéissance s'excusera par les coupures dans le dos et laisser le sang couler. Juste privé juste mot d'excuse supérieur. 3 désobéissance s'excusera par 5 secondes à marcher sur le fait. Privé de désobéissance mot d'excuse supérieur. Stade 4. Les adolescents se sont fait une jambe brisée et piétinée par les collègues qui humilient et punis par les plus insultes, même qu'un passage autorisé. Mais l'excuse au supérieur. 5. Ah. Le stade 5, c'est la mort. Quand vous rentrez dans la barque, vous pouvez tout quitter, seulement une partie, c'est la mort. Ah, je sais pas. On verra bien. Si il se passe quelque chose. Les habits. Ok. Dans la barre coopération, les habits sont imposés, les thèmes de nuit et le blanc. Vous devez obligatoirement vous déshabiller de façon la plus blanche possible. Vous allez voir quand vous tombez. Le random sans se plaindre. Une fois que vous montez dans le chômage, vous pouvez porter des habits beaucoup plus nobles. Si les habits imposés sont. Ne pas porter ou mal porter ou modifier un milieu sans sanction. Ouais. Donc là c'est page cachée, shutdown et la quasi archique base de nuit. Attends, je sens dans cette case ce qui est sur les raisons déplorables. C'est une case que j'en ai secrète car les poches, les punitions quotidiennes sont insupportables. J'ai été mené shutdown.
parce que j'ai essayé de m'enfuir en étant zéro marqueur. La procuration m'a prouvé et m'a fait des choses que je ne devrais même pas expliquer. Juste pour votre sensibilité. Je vis désormais avec une main en moins, la recoupée et la moitié à l'autre. Ulysse. Hein? C'est une tâche secrète. J'ai été chef et même en étant chef, j'ai été descendu à chef dernier. Pour avoir aimé un garçon, ma mère est interdite chez la corporation désignée comme un truc inutile et mort. Truc inutile de mortel. Aujourd'hui, je suis quelque part dans les États-Unis, en prison de la loi, je vis avec un seul avant et un seul poumon. Ah. Il a peur sur les yeux. Incapable de me dépasser, la mère peut être très violente. La discussion en français, respecter tout ce que l'esprit a dit. Du coup, je Alors, c'est bon? Oui. Et alors, ton premier sentiment? C'est très strict, mais je pense que c'est nécessaire. Si tu avais un seul mot pour qualifier la Borg, lequel serait-il? L'avenir. Mais c'est un bon choix. Je suis sûr, c'est moi. Donc, est-ce que si tu Je... aurais à revenir sur ta décision, est-ce que tu rebroucherais chemin ou est-ce que tu tenterais vraiment l'expérience? Me demandait de choisir la solitude à une famille. Je préfère choisir la famille. C'est une bonne réponse. Alors c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander d'aller avec Père Götz. Il va t'habiller et te soigner. Et une fois que tu porteras les habits de la Borg Corporation, tu ne pourras plus rebrousser chemin. Tu deviendras donc un Zero Worker. Est-ce que avant ça, tu as des questions par rapport au livre, à la hiérarchie, à la création de la Borg? Aucune. Vraiment aucune? Tout a bien été clair? Pour moi, tout est clair. Prédateur. Résume, si tu peux tester sur les règles et sur le livre, cela m'arrangerait. Par exemple, des questions. Vas-y, je suis prêt. Ouais. Faire ça, ouais. Laisse réfléchir. Allez. Je suis chaud. Vas-y, je relis. Je suis clair. Après, est-ce qu'on fait ça comme un de ces tests à l'école? Ou du moins, je crois que c'est comme ça, là. Tu poses des questions et puis répondre. On va pas faire un general meeting, c'est un peu trop violent là, mais j'ai pas trop la tête pour ça. Berkut, ouais. Si tu désires poser des questions par rapport au livre, par rapport aux règles, tu peux faire aussi. J'ai pas compris. Faudra déjà qu'il commence par s'habiller. Ouais. J'ai une question à te poser. Tu es donc un Zero Worker. Tu fais partie de la Borg Corporation. Tu es dans l'institution, tu te balades tranquillement. Et tu te mets d'un seul coup à parler de quelque chose à un speaker. Est-ce que tu trouves qu'il y a un problème dans ce que j'ai dit? Oui,
Les Zero Workers n'ont pas le droit de parler au speaker. Ils doivent parler au coordinateur. Attendez. Si, c'est ça. Efficace. C'est ça, oui. Il devrait pas mettre sa cagoule, ouais. Il va la contaminer. J'aurais une. Il est malade. J'aurais une faveur à vous demander. Ouais. Puis-je garder mes bandages sur ma tête parce que justement j'ai un énorme coup sur la tête. Et ça me fait très mal. Justement, le casque aurait pu t'aider, mais. Si tu es blessé. Après, c'est blanc. Oui, après, c'est blanc. Tu peux les garder. Merci. Ce sera temporaire de toute façon. Bah, j'espère. Ça va, prédateur ? Mmh. Ça va ? Y'a personne d'autre là ? Ok. Je pense que mes oreilles me jouent des tours. Quand la fatigue, ça va, oui. Ouais, ou peut-être la fatigue. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Oui, est-ce que tu pourrais le soigner si possible, prédateur ? Parce qu'il est. Il en remet là, je pense. Non, c'est bon, j'ai pris une pilule. Ah, ok. Ouais, il me faut des vitamines. J'en ai sur moi. Ouais, j'en ai aussi. Donc, tu seras le numéro 5. En fait, attends. Je vais t'expliquer. Bah, non, du coup. Non. Parce que même s'il y en a qui sont morts, ils gardent leur numéro quand même. Ok. Ah, je sais pas, après. Mais j'ai rien. Il faut qu'ils gardent leur numéro, sinon c'est trop mélangeant. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. J'aurais une question. En fait, je t'explique. Si vous me permettez. Ouais. Oui, vas-y, tu peux me demander. Il y a d'autres Zero Workers à part moi. Alors oui. Tu as donc numéro 1, qui est dans la première box qui est là-bas. De toute façon, viens, je vais te montrer au niveau des box. Aïe. Donc en fait, oula, ça va. Ouais, ça va. Donc en fait, je t'explique au niveau des box. J'ai donc construit avec l'aide des coordinateurs et speakers tous ces box là. Donc les box sont constituées d'une porte et d'un mur. Donc comme tu peux voir ici. C'est un box et tu as le droit de faire ce que tu veux dedans. C'est-à-dire que tu as le droit de poser des tentes où tu veux. Tu as le droit de, voilà, de déposer ce que tu veux à l'intérieur. Mais par contre, tu devras donner le code uniquement à moi et à personne d'autre. Il n'y a que moi qui le saura. Parce que je vais effectuer des fouilles quotidiennes une fois par semaine. Dès qu'il y aura des temps, bien sûr. Et à moi aussi, je vais signaler comme ça. Je préfère que ce soit comme moi qui lit les codes. Donc, il y aura. Mais bon, on va rien dire. Quoi ? Laissez tomber. Non, mais dis, tu voulais dire quoi ? Ah, oh, rien. J'aimerais bien me coucher, je vous le dis. Je sais plus ce que je dis. Oui, il faut savoir par rapport aux tentes. Une fois que tu déposes une tente, il faut faire attention. Parce que ici, ils font Poudlard en fait. Une fois que tu les désinstalles, ils disparaissent de tes mains. Donc quand tu installes une tente, c'est pour toujours. Parce que si tu la désinstalles, elle disparaît. Ok, très bien. C'est voilà, c'est un problème qu'on a ici. Moi, je ferme... Par rapport à toutes les tentes qui sont dans l'institution, je vais te donner le plan. Et en fait, il y a tous les objets qu'il y a à l'intérieur.
Il faut vraiment que tu respectes ça parce qu'en fait, si jamais je retrouve un objet qui n'est pas à sa place, même si c'est pas fait exprès, tout le monde va prendre en fait. Parce que je trouve que je fais beaucoup que tout reste rangé. C'est-à-dire que je fais un plan, je fais des choses claires et nettes. Et si même après tout ça, je trouve des choses qui sont pas à leur place, je trouve qu'il y a un problème. Donc tout le monde prendra. Donc je te donne le plan. Tu vas être invité de toute manière dans un groupe où il y aura tous les Zero Workers, d'accord, ainsi okay. que tous les membres de la hiérarchie. Je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Donc ça, tu vois, c'est le plan. Tu te repéreras par rapport à ça. Et il est quotidiennement mis à jour, donc il y a des choses qui peuvent s'enlever comme se rajouter. C'est très bien. Très bien, très bien. Donc toi, tu seras dans... Donc là, il y a le box worker numéro 1, numéro 2, numéro 3... numéro 4, numéro 5... Donc toi, tu seras juste là, en fait. Ça te va? Oui, ça me va. Donc je vais t'ouvrir et si tu veux, tu pourras commencer à remplir les murs. Est-ce que tu sais comment on fait? Ouais, je sais comment faire. Par contre, je pense pas que pouvoir le faire ce soir. Oui, enfin, oui, pas ce soir, mais enfin, demain. Ça y est. Je suis rentré dans une... Hop, donc je te laisse mettre un code, tu me l'enverras sur la radio. C'est complet. Donc là, tu peux aller te reposer si t'as envie. Bah oui, mais c'est même soir. Je pense que je t'ai tout dit. Très bien, bah je trouve que c'est un plaisir de rejoindre... ma nouvelle famille et... je donnerai le meilleur de moi-même pour pouvoir pour que la Bord puisse accomplir son objectif. D'accord, tes paroles sont rassurantes. Je te donne la moitié de ma confiance pour faire tes preuves et ainsi monter l'échelle doucement. Je compte sur toi, numéro 5. Merci. Je te souhaite donc une agréable nuit et à demain. Bon bah, je vous souhaite également une bonne nuit à vous tous et à demain. Merci.